Par les croquettes Captain Magique au vrai merlu de l'Atlantique, voici le Magda Show! Salut les harpies! Comment ça va? Moi, ça va au poil! De mes gars! Si! Je suis Magic Magda, votre sorcière du samedi soir! Et c'est parti pour une nouvelle série de sortilèges! Hein? Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, j'ai oublié! Avant de commencer, je dois remercier le Captain notre sponsor! Sans le Captain Magic et ses succulentes croquettes de merlu, il n'y aurait pas de Magda Show! Cookie! Alors faites comme moi, chaude ou surgelée, savourez ces succulentes croquettes! Zarina! Yeah. Est-ce que la vaisselle est faite? Captain Magic, les fantastiques croquettes au vrai merlu! Elles sont... Mais... Sais-tu au moins quel jour on est, Zarina? Samedi, pourquoi? Et il y a quoi le samedi? Le Magda Show. D'accord, mais à part ça... Le grand conclave hebdomadaire des sorcières. Autrement dit, le sabbat. File te préparer. T'es dure, grand-mère. Depuis que Magda a son show, je n'ai jamais pu le voir une seule fois. Tous mes copains en parlent et moi qui suis sa cousine... C'est vraiment ta cousine, Magic Magda? Magic, 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 Magic. Justement, tu connais déjà toutes ces pitreries, pas besoin de les regarder à la télé. Allez, Zou, va chercher ton balai. Bave noire, qui sonne à cette heure? Bonsoir, darling. Nous n'arrivons pas trop tard. Mais vous n'êtes pas au sabbat? Eh non, c'est justement le sabbat qui nous envoie. Qui nous envoie? Pour regarder le Magda Show. Le Magda Show! Mission d'observation, on doit faire un rapport au consistoire des sorcières. Pour décider d'éventuelles sanctions. Oh, très bien, ça, très bien. Entrez, entrez, ça commence à peine. Je sais que c'est mal de désobéir, mais bavardes comme elles sont, je devrais pouvoir regarder le show en entier. Samedi dernier, nous avons potassé les filtres d'amour. Cette semaine, nous verrons les potions du soleil. Mais votre boss, regarde, ordre de la direction. Bonsoir, tante Malévola. Madame Gangrena. Sans les mettre au pas, une recette simple comme... Saboum, cocotte. Saboum au poil. Demi-galte. Pour réussir notre potion de soumission, mélangez 5 mesures d'arsenic, une bonne pincée de soude caustique, un zeste de serpent à sonnette, une cuillerée à soupe de rhinocéros lyophilisé, un soupçon de fiel de sanglier. Ajoutez une rasade d'adrénaline. Un cafard en guise d'olive et c'est prêt. Fiel de sanglier, une rasade d'adrénaline. Allô, oui, mamie? Norman Blitz, tu négliges ta vieille mamie. Non, mamie. C'est l'heure de ma camomille, petit étourdi. Oui, mamie, pardon, mamie, je te la porte. Pause pub. Surtout ne zappez pas. Potion de soumission. Captain Magic, la croquette au vrai merlu de l'Atlantique qui fait saliver les sorcières. Mettre nos secrets à la portée des masses téléspectatrices, ça mérite pas une sanction exemplaire, ça?
C'était pas Magda qu'on voyait dans la boule? Mais si, Madame Grangrena. En tout cas, elle, je la trouve bonne. Eh ben, pas moi. Très classe. Un vrai plus pour l'image des sorcières, n'est-ce pas? Merci, Captain Magic. Maintenant, une recette plus sophistiquée, le filtre de discipline. Bois pendant que c'est chaud, mamie. Drôle d'odeur, ta camomille. Tu ne chercherais pas à droguer ta mamie pour aller courir le guide ou en ville par hasard? Oh, mamie, comment peux-tu? Je plaisante, mon petit. Tu sais bien qu'un être complexé et solitaire comme toi ne peut pas avoir d'amis. Je le sais, mamie. Encore une goutte de camomille? Non, ça va. Norman Blatt, pourquoi me regardes-tu comme ça? Parce que je vais en ville, mamie, et pas pour courir le guidou. Oh non, pas pour courir le guidou. Je ne veux pas, et en même temps, je ne peux pas m'y opposer. Toute volonté m'abandonne. Remercie la potion de soumission de Magic Magda. C'est fini pour ce soir. Un samedi, les harpies, et suivez le conseil de Magic Magda. En snack ou au repas, Captain Magic, la croquette des sorcières au vrai merlu de l'Atlantique. Merlu de l'Atlantique, mon lady, surimi, oui. Super chaud, Magda, c'était génial. Et moi, les surimi, ça me file de l'urticaire. Regardez-moi ça. Mince sacrifice, Magda, en regard d'un tel audimat. On vous les fera au cabillaud si vous supportez mieux. Et vous connaissez Monsieur Béton, le sponsor de notre show. Mes fans m'attendent et je ne supporte pas l'odeur des surimi. Surimi n'a pas d'odeur, tout comme l'argent d'ailleurs. Magic Magda! Magic Magda, je suis Norman Blatt, votre plus grand fan. Montez vite avant de vous enrhumer. Qu'est-ce qu'elle faisait dans la boule, Magda? Sautez les champs, Madame Grangrena! Oui, oui, trop chaud même. Je le préfère tiède. Si elle se ramasse pas au moins un blâme du consistoire, je mange mon grimoire. Je te trouve injuste, grand-mère. Sous ces airs un peu racoleurs, ce chaud met à la portée des humains la magie dont tu te sers depuis toujours. Mais ben, autant distribuer des 357 magnums dans les bacs à sable. Très juste. Mais je veux entendre les explications de Magda avant de l'enfoncer devant le consistoire. Je ne te savais pas si magnanime, les voilà. Je suis la bonté pure. Non, non, avec un nuage de vitriol. Ben, je le bois toujours comme ça. Je n'ai jamais raté un de vos shows, Magic Magda. Magic, pour toi, je peux savoir où on va? Pourquoi pas chez moi, Magic? Oh, tu ne manques pas d'audace, Norman Blatt. Oh, voyons, madame, je veux juste vous présenter ma mamie qui est aussi une très grande fan de vous. Ah bon? C'est pas bon chez toi. Regarde qui je t'amène, mamie. Magic Magda, tu sais, la sorcière de la télé. Norman Blatt, si j'en avais la force, je désapprouverais la présence de cette créature. Ciel, Norman, ta mamie est une... Excusez, mamie, Magic, elle est un peu sauvage. Une petite tasse de camomille. En vitesse, alors, juste pour la route. Drôle de goût, cette camomille. Bon, on y va. Ciel, toute volonté m'abandonne. Voilà, voilà.
c'est pas des heures pour bouler. J'ai attendu Magda chez elle toute la nuit. Elle n'est pas rentrée. Bon, les frasques des stars de la télé. Qu'est-ce qui se passe? C'est Malévola qui cherche Magda. Oh! Elle a une séance de dédicace cet après-midi au supermarché, tante Malévola. Dans mon supermarché? Ah! Mais quelle toupie! Et vous voyez, monsieur Béton, le produit est en tête de gondole. Bien tiré! Il me reste 10 000 palettes de ces saletés à fourguer! Et bien sûr, c'est la première fois que nous organisons une dédicace de boîte de croquettes, mais je sens que ça va bien marcher. À condition que l'autre harpie ne nous fasse pas faux bond. Je me méfie de ces créatures, quoi. Tenez, la voilà. Magic! Magic! Ah non, c'est la cousine, mais je crois que oui. Elle n'est pas encore là? C'est embêtant. J'aurais vraiment aimé lui parler avant de rendre ce rapport. Tu pousses un peu loin le bénévolat, Malévola. Celle-là, je la connais pas, mais... Ah non, vous ne m'aviez pas prévenu que ça allait attirer toutes les sorcières de la région? Dépêchons, dépêchons! Mais on s'en tape de la dédicace de Magda. En plus, elles sont immondes, ces croquettes. C'est quand même la première fois qu'une sorcière devient une star de la télé. Ah ouais? Et ma sorcière bien-aimée? Idiot, je te parle de vraies sorcières. Je suis très inquiet, monsieur Béton. À chaque fois qu'elles sont plus d'une dans le magasin, ça vire à l'apocalypse. Rappelez-vous l'été dernier? Je vais leur parler! Si Magda se pointe pas, il n'y aura qu'à la juger par contumace. Comme tu y vas, darling. Bonjour, mesdames. Tiens, le gangster notoire. Alors vous aussi, vous êtes un fan de Magic Magda? Non, je suis son sponsor. Captain Magic, c'est moi. Vous savez où elle est passée? C'est tout de même votre cousine, après tout. Gentil, gentil, Adolphe. C'était moi une. Alors, on promène son jambon de Parme? Tea time. Pas soif. Allons, Magic, une petite tasse vous requinquera. C'est quoi cette saleté? Saleté, votre fantastique potion de soumission? Je me disais aussi, qu'est-ce que tu attends de moi, Norman? Eh bien, avant tout, que nous soyons amis. Je vous admire tellement, Magic. Ensuite? Je voudrais... Oh, c'est trop dur à dire. Encore une petite tasse. Vous allez me retransformer ce jambon en molosse et me dire où se planque votre cousine. C'est que ça donnerait des ordres. Malfrat. Je vous en prie, monsieur Béton, ne les provoquez pas. Quel est le problème exactement? Le problème, c'est Magda qui va l'avoir si elle me plante ma promo. Un méga problème juridique. On a signé un contrat. Si elle n'est pas là dans une minute, je lâche mes avocats. Je commence vraiment à m'inquiéter. Et vous pouvez. Il lui serait arrivé quelque chose? À Magda? Parle sans crainte, Norman. Vous êtes si bonne, Magic. Bonne, je ne sais pas. Temporairement ankylosée. Allez, vite ton sac. Tout petit déjà, j'étais un être complexé et solitaire. Alors j'essayais de jeter des sorts à mes joujoux. Et ça marchait? Non, bien sûr. Mais si je voulais qu'ils soient mes amis, je savais que je devais devenir... Oh, c'est dur. Laisse-moi t'aider. Tu devais devenir une... Une sorcière. Voilà, je l'ai dit. Sorcière, sorcière, sorcière. Transformez-moi en sorcière et je vous laisse partir. Hélas. Faites-le, faites-le. Vous ne pouvez pas me le refuser. Vous avez bu la potion de soumission. Ben justement, sans volonté, pas de pouvoir. Et si je retrouvais mes pouvoirs, ce serait sûrement pas en sorcière que je te transformerais. «
24 heures après sa disparition, on est toujours sans nouvelles de Magic Magda. L'inquiétude croît. En direct de l'endroit où elle a été vue pour la dernière fois, notre envoyée spéciale, Sissi. Sissi Scoop? Sissi? Magic! 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 Sissi! Oui, Larry, je vous parle du bas de l'immeuble de notre chaîne où Magic Magda a été vue hier soir pour la dernière fois. Ici, l'inquiétude croît. Dites-nous ce que vous avez vu. Vous êtes à l'antenne. Ben, elle a sorti par là et puis elle a parti par là. Et elle a monté dans l'automobile. Ah, quelle marque? J'ai pas vu, vu que c'était la nuit. Eh bien, Larry, je crois que c'est à peu près tout ce qu'on pouvait dire à ce stade de l'enquête. Larry? Merci, Sissi. N'hésitez pas à nous interrompre dès que vous aurez du nouveau. Parallèlement, l'inquiétude croît dans les milieux financiers. En effet, Magda est sponsorisée par les croquettes Captain Magic au vrai merlu de l'Atlant... Un comble, en recherchant Magda, c'est à l'ignoble béton qu'on rend service. La vie est pleine de ces petites contradictions. Et puis Magda est ma cousine. Et puis les sorcières ne disparaissent pas comme ça. On y va. Une seconde, j'embarque un peu de matos. Oh, l'électricité statique enregistre les vibrations de l'air. Ok, avec ce scanner à isotope, je peux capter l'image rémanente de tout ce qui s'est passé dans le champ vibratoire au cours des dernières 24 heures. Ah. Tu veux dire que tu peux réaliser la photo rétroactive des événements qui se sont déjà produits? Voilà. À quelle heure elle est sortie? 23h30, je crois. Tu vois quelque chose? Pas encore. Ah. Hello. Hey. Hey, Sarina, viens voir ça. Oh. Waouh, il y a écrit quoi sur la camionnette? C'est pas net. Bla, bla. C'est un T bla. Blatt Motel. C'est pas ce vieux motel à la sortie de la ville? Faites-le pour moi, gentille sorcière. Retrouvez-la. Oh, il est collant, celui-là. Je vous donne Adolphe. Vous en ferez des sandwichs. Mais retrouvez-la, sinon je suis ruiné. J'ai misé le paquet sur 10 000 palettes de croquettes. Sur le coup, ça paraissait un deal en béton. Oula, 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 oula. Même si on retrouve Magda, ça ne prouve pas que vous êtes tiré d'affaire. Comment ça, gentille sorcière? Le consistoire interdit formellement le sponsoring. Ah, très juste. Tiens, c'est un argument qui m'avait échappé. Imparable. Comment ça, imparable? Attends que je trouve mon détecteur de mensonges. Non, non, là tu me laisses faire. Bonsoir, on peut voir vos chambres? Elles sont toutes pareilles. De toute façon, on ne loue pas aux mineurs. Mais vous êtes une... Une sorcière, oui. Vous prendrez bien une tasse de camomille? C'est bien aimable à vous, monsieur... Blatt, Norman Blatt. Monsieur Blatt, mais nous ne sommes pas venus prendre le thé. Allons, buvons, buvons. Oups, oh, que je suis maladroit. Je cherche ma cousine Magda, monsieur Blatt. Magda? On ne connaît pas. Oh, excusez-moi. Oui, mamie? Norman Blatt, tu négliges ta vieille mamie! Je dois montrer sa camomille à mamie. Mais mamie, si je la laisse repartir, qui me transformera en sorcière? Mon pauvre petit, tu n'as donc pas compris que tu ne deviendrais jamais une sorcière? Oh non, mamie, ne dis pas ça, ne dis pas ça. Jusqu'à la fin de tes jours, tu resteras cet être complexé et solitaire qui rêvait de jeter des sorts à ses joujoux pour qu'ils se transforment et deviennent ses seuls amis. Hein? Norman! Norman! Vous ne voyez pas que mamie me parle? Non, Norman. Elle ne peut pas te parler, car ta mamie est une... Ah,
Une momie. Non, 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 je veux être une sorcière. Je veux être une sorcière. Larry, je vous parle en direct du Black Motel où l'on vient à l'instant de retrouver Magic Magda, vivante apparemment. Vous confirmez? On n'entre pas. Pas de doute, c'est bien cette vieille momie qui a disparu il y a une dizaine d'années du musée d'égyptologie. Norman Black, tu négliges ta vieille mamie! Cet ingénieux dispositif lui permettait de s'appeler lui-même depuis la réception. C'est incroyable à quelles extrémités peut mener la solitude. Alors, Magda, on s'est laissé piéger comme une bleusaille. Ma propre potion de soumission. Dont tu as révélé la recette à une vingtaine d'autres millions de barjots dans son genre, soit dit en passant. Oh. Ça, c'est pas vrai, ça. Magique, magique. Laissez-moi lui parler. Y a plus de magique. Comment ça, y a plus? Eh, démissionne. Dis-lui, Magda. Je démissionne. Ça vaut pas. Elle est sous l'effet de la potion. Un conseil, l'ami. Trouve-toi quelqu'un d'autre pour fourguer tes croquettes. Mais elles sont infectes. Une sorcière, vous entendez? Je veux être une sorcière. Je veux devenir une vraie sorcière. Une sorcière. S'il insiste vraiment, on va pouvoir arranger ça. Offert par les croquettes Captain Magique au vrai merlu de l'Atlantique, voici votre Magic Norman Show! Salut les harpies! Comment ça va, moi? Ça va au poil de migale! Je suis Magic Norman, votre sorcière du samedi soir! Super! Je le trouve encore plus top que Magda! Ouais, il est pas mal! Il fait vrai, un sorcière. Ah, je pense que c'est nous qui lui avons mis le pied à l'étrier. Au moins, il risque pas de divulguer des recettes qui marchent. Lui. Je vois vraiment pas ce qu'elles ont à se boyauter. Non, non, merci. Jamais de boyau dans mon thé. Ouais, bon.